si le festival Rockario a commencé à Rio en 1985, jusque-là c'est logique, il s'est installé à Lisbonne en 2004. Du coup, il célèbre cette année ses 10 ans. En 5 jours, 345 000 personnes sont venues au festival. Il y a l'atmosphère, le lieu. Ce n'est pas un endroit artificiel, c'est dans la nature, on peut venir avec les enfants. Même s'il y a des gens qui fument, ce n'est pas gênant parce qu'on se sent à l'aise. C'est comme un pique-nique. C'est un festival pour toute la famille, pour les amis, c'est comme une grande réunion, un rassemblement. Ceux qui ne viennent pas vont le regretter. Arcade Fire a fait rentrer cette date dans sa tournée européenne qui va se terminer début juillet. La jeune chanteuse néo-zélandaise Lord est aussi passée par Lisbonne. Et c'est Justin Timberlake qui a eu l'honneur de refermer cette édition. L'an prochain, le Rio Festival va aussi s'exporter aux États-Unis et ça sera à Las Vegas.